Merci messieurs pour ce live en duo dans le salon de musique de Neo Geo Nova. Piers Faccini sera à la guitare et au chant, Malik Ziad au gambri. Et au chant, quel sera le premier morceau, Piers Faccini ? On va vous jouer un morceau qu'on a composé ensemble qui s'appelle Dunia, qui veut dire la vie. Thank you.
va jouer un morceau qui s'appelle Foghorn Calling. Foghorn Calling, et le foghorn en français, ça veut dire la corne de brume. La corne de brume qui est le long des côtes, la nuit dans le brouillard, qui évoque aussi la note bleue, la note où il y a toute l'émotion. Merci beaucoup, Pierre Spaccini, Malik Ziad. Alors, ce sont deux morceaux que l'on peut écouter sur votre album, Shapes of Fall. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer maintenant? On ne veut pas vous quitter. Pour continuer à jouer? Oui. Alors, on avait pensé de finir avec un petit dialogue, parce que le dialogue et les conversations, c'est un peu au centre de tout ce qu'on fait. Déjà, dans beaucoup des premières semis ou graines qui ont été lancées pour les chansons, sont souvent parties de conversations entre moi et Malik, surtout ces deux derniers morceaux. Et donc, pour montrer un peu
la nature un peu constante et fertile de ces conversations, qui sont aussi des conversations où on va regarder un peu dans le passé. On va commencer avec un vieux chant afro-américain qui était aussi un sort de hymne, je pense probablement britannique à l'origine, qui s'appelle There Is a Balm in Gilead. Et ensuite, on va aller sur un morceau traditionnel Gnawa qui s'appelle Balamusa. Thank you.
Bravo, merci beaucoup. Merci Malik Ziad au Gambri, Pierce Faccini à la guitare, au chant. Et on se dit à très bientôt. Et puis votre album est disponible dans toutes les bonnes boutiques, à savoir Shapes of the Fall, sorti sur le label No Format, Pierce Faccini. Merci beaucoup, merci. Live en Nova. Vous écoutez Neo Geo, les plus belles musiques du monde.